L'espoir est aussi dans vos legs. À tous, bienvenue ici à Lorient pour le festival Interceltique. Bonjour Émilie. Bonjour Laurent, bonjour à toutes et à tous. On est tellement heureux de vous retrouver pour vivre un événement exceptionnel. C'est la grande parade des nations celtes. Et dans quelques instants, près de 3000 artistes défileront sous nos yeux. Des musiciens, des chanteurs, des danseurs de tous les âges qui sont ici à Lorient pour partager leur amour de la culture celte. Et vous, vous allez vivre cet événement avec nous, comme si vous y étiez là, au premier rang. J'espère que vous êtes prêts à faire la fête. On va en prendre plein les yeux, plein les oreilles, c'est promis. Alors Lorient, est-ce que vous êtes prêts à faire la fête avec nous? Vous aussi, on sort les cornemuses, les bombardes, les caisses claires, vous poussez les meubles et vous dansez avec nous. Allez, la grande parade des nations celtes, ça commence maintenant. C'est la 53e édition du Festival Interceltique de Lorient et France 3 est bien évidemment fidèle à cet événement unique, à un moment magique que vous pouvez commenter avec nous sur les réseaux sociaux avec le hashtag Interceltique. Et pour ouvrir cette grande parade, c'est la tradition, voici les drapeaux de toutes les nations celtes qui vont défiler aujourd'hui dans les rues de Lorient. Alors vous reconnaissez évidemment le fameux Gwenadu, le drapeau blanc et noir de la Bretagne, et puis ceux de toutes les autres délégations. Regardez derrière nous, l'Irlande, l'Écosse, le Pays de Galles, la Galice, les Asturies, les Cornouailles, l'île de Man ou encore le Canada. Et le Canada, justement nos cousins d'Amérique qui seront à l'honneur l'année prochaine au Festival Interceltique. Et puis pour accompagner ces drapeaux, la relève de la musique bretonne, des musiciens qui ont entre 12 et 21 ans et qui viennent de toute la Bretagne, ce sont les jeunes sonneurs du Bagad Sonerion. C'est parti.